Je quitte mon site de camping au parc de Forillon. Je pense que je suis sur le côté nord, je crois. Dans le fond, c'est celui où le Cap Bonami, là, celui qu'on voit les photos avec la roche là, un peu spéciale. Là. Ça fait que c'est un incontournable. Je vais aller faire un petit tour là. Puis je pense que je vais venir pour 2-3 minutes. Là. C'est justement, je suis venu ici il y a quelques années. Puis, c'est dans ce camping-là que j'avais arrivé par hasard. Puis c'est là que j'avais découvert le Cap Bonami. Ça fait que je vais aller vous montrer ça. Après cette petite escapade au Cap Bonami, on prend la 132. Après ça, il faut qu'on fourche vers Capozzo. Au bout de ça, il y a un stationnement. Puis après ça, ben, la randonnée pour aller à la fin du monde commence. Yeah. Bon, ben, on est parti pour un 4 km. Fait que moi, je suis genre tout le temps à partir à la dernière minute. Fait que je dîne pas. En train de faire une petite barre énergétique. Ça fait la job en masse. On a de l'eau en masse, puis j'ai traîné des grignotines. Fait que là, on devrait être pas si pire. Encore une belle petite place. Le départ est sur le rivage. Puis là, je me demandais tout à l'heure en marchant si ça serait pas un cul-de-sac. Mais finalement, je viens de voir qu'il y avait des marches. Fait que même si le départ est un peu bizarre, ben là, tu sais, on le voit pas du rivage, là. Mais j'ai persisté, j'ai bien fait, parce que dans le fond, c'est comme 300-400 pieds plus loin. Fait qu'on monte ces petites marches-là, puis on a 4 km à faire pour arriver au bout de la terre. On va aller voir ça si la terre est plate. Ouais, ben ce qui est cool de la Gaspésie, justement, c'est que c'est sur le bord de la mer, puis on n'a pas ça, nous autres, dans les cantons de l'Est. Fait que je m'imprègne de l'ambiance tant que je suis capable. Et en plus, ben, il y a toujours l'odeur de la mer que je trouve vraiment émoustillante. Je sais pas trop. Ça sent bon. On dirait l'eau. L'eau salée, je sais pas, l'air. Tout ça mélangé avec la nature, comme les épinettes. Le foin. Le foin, foin. Foin, foin, foin. Ouais. En profite au max.
Ouais, ben on est arrivé au bout de la Terre. Fin de la Terre, il va falloir que je regarde ça. Pas sûr. La fin de quelque chose, en tout cas. La fin d'un bout de terre, de la roche, ou je sais pas trop. Fait que c'est tellement brumeux là, qu'on voit même pas la mer. On l'entend. On a l'impression qu'on est sur une autre planète. Mais bon, regardant en bas, on voit rien. C'est tellement brumeux. On est tellement haut, j'ai l'impression. Puis là, je suis en train de descendre un petit sentier. Je sais même pas où c'est que ça nous mène. Mais je suis clairement arrivé au bout. Je pense que ça, c'est juste un plus. C'est du bonus. On va aller voir. On va aller voir ça. On est ici dans le fond pour randonner, visiter, se gâter. C'est sûr que ça descend. Il va falloir que je remonte. C'est ça le pire. Puis après ça, ben on redescend. Parce que j'ai monté quand même pas mal tout le long pour venir jusqu'au fort de la Pointe Gaspé. Finalement, ça s'appelle demain. Fait que... bon, c'est, j'ai monté, là, je redescends. Il va falloir que je remonte pour redescendre. Et oui, on boucle la boucle. C'était un peu boiteux. J'ai pas sorti mes bâtons de randonnée. Je me suis dit que ça serait correct, mais là, j'espère juste que je me ramasserai pas sur le derrière, malgré moi. Ça, ça serait de valeur. Le derrière dans la terre. Ouais. Ouais, ça a l'air à se calmer un petit peu sur l'inclinaison. Le sentier est quand même propre, là. On dirait du beau gravier. On n'est pas à travers les racines et les grosses roches. Fait que ça se fait quand même bien. C'est juste que c'est ça. Il va falloir que je la remonte. Ouais, ben, il vente un peu. Le sentier pour aller à Cap Gaspé, c'est vraiment à faire. Vraiment pas difficile, très familial. Il y a des bouts que tu marches comme là. Moi, je marche dans un sentier qui est plus rustique un peu, mais quand même super, super bien entretenu. Puis il y a aussi, à travers ça, tu marches sur un sentier multiservice, là, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Là. À faire. Comme un matin aussi, je suis allé à Cap Bonami. Ça, c'est pas vraiment une randonnée, là, parce que tu débarques de là avec ton char. Puis tu fais une petite marche de 2 minutes, puis t'es rendu. Ça fait que je n'appelle pas ça une randonnée. Là. C'est au bout du parking. Mais ça aussi, c'est à voir là, dans le parc Forillon. Là. Thank you.
Ouais, ben c'est ce qui va conclure ou presque cette petite randonnée-là. Moi, avant de quitter le parc, je pense que je vais me faire à souper. Je vais me frémir des petits hot dogs. Ça fait longtemps que j'y pense, là. Je pense que c'est le temps. Ouais, ben les haltes routières, c'est pas mal plaisant. Ça nous permet d'être en tête à tête avec notre petit réchaud puis notre petite bouteille de vin qui est sur le bord. C'est ça, les vacances. On prend tous les petits moments pour apprécier ce qu'on a. Fait que là, ben, je suis en train de me faire chauffer des petits œufs. On avait 6 à préparer, puis là, ben, ça a l'air que je vais prendre le temps, vu que ça fait longtemps, ça fait comme une coupelle de jours que la température est un petit peu maussade. Quand je suis arrivé dans le stationnement de la halte routière, ben là, le gros soleil chaud, ça fait que là, ça donne le goût de s'installer. Fait que je pense que c'est ça, je vais en profiter pour faire chauffer mes petits œufs. Après ça, je vais faire mes petits pains, mes petites saucisses. On va se couper des petits oignons, on va manger des hot dogs. Ouais, des bons petits hot dogs.